Le but du Kaishiwaza est le retournement d'une situation avec une inversion des rôles. C'est-à-dire que Uke devient Tori et Tori devient Uke. Il ne s'agit en aucun cas pour Uke de vouloir contrer le mouvement de Tori. En fait, la stratégie d'Uke consiste par commencer à accepter le déséquilibre créé par Tori. Puis, il va tenter de dépasser ce déséquilibre avant de saisir une opportunité lui permettant de retourner la situation à son avantage. L'opportunité pouvant permettre d'installer une technique de retournement peut avoir diverses origines. Elle peut être une erreur ou une lacune technique de la part de Tori. Il peut s'agir aussi d'une ouverture inhérente à l'exécution de la technique. Personnellement, je trouve que les Kaishiwaza nous enseignent également que rien n'est jamais définitivement acquis et qu'il ne faut pas se fier aux apparences.